Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors, droite, gauche, boum! On va faire la petite découverte du dernier véhicule. À la base, je devais le faire hier, mais vu que j'étais pas forcément disposé à faire la vidéo et à la mettre en ligne, du coup c'est aujourd'hui, avec un petit retard, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour se prendre la tête ou faire la vidéo le plus rapidement possible, etc. Il n'y a aucun souci, ma voiture se met complètement ici. Attends. J'ai appelé mon mécano, je lui ai dit s'il te plaît, livre-la moi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en plein milieu de la route. Très bien. Voilà. Tant qu'à se mettre au plein milieu, on va se mettre ici. Alors pour ceux qui se demanderaient combien coûte, etc. Parce que le plus important, c'est de savoir le prix aussi. Mais pour tous les véhicules qui sont un petit peu low ridés, le prix de base est pas très cher. Mais après, à la fin, ça monte assez. Donc c'est celle-ci, 15 000. Voilà, plutôt très très sympa. Je l'ai pris en rouge de base. Et 225, il y a 5 vitesses, a fait 1200 kg. Et voilà, on va aller chez notre ami Beniz et on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympa. On va essayer de changer de couleur aujourd'hui, en espérant que ça vous plaise, parce que le but... Oula, d'accord, bah lui, je sais pas ce qui lui est arrivé. Attendez, qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça va? T'as compris une fois que t'as foncé dedans? Alors, je vais piloter et une fois qu'on sera arrivé devant le garage, je vais vite fait m'arrêter. Et je vais vous montrer le véhicule avant, avec une petite lampe torche, comme d'habitude, hein, vous connaissez la routine. Et à la fin, on va la conduire, j'espère qu'il fera jour. Et je vais essayer de faire ce que je vous ai dit la dernière fois, par rapport au... comment on appelle ça par rapport à la miniature. Après, en même temps, vous montrer la voiture comme ça, c'est pas intéressant. C'est vrai que la montrée finale, c'est pas intéressant non plus. Mais je touche pas encore très très bien Photoshop et j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire mettre la voiture tout en noir avec un gros point d'interrogation, j'arrive pas du tout. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. On va essayer, on apprend en s'exerçant. En tout cas, le véhicule va plutôt très très vite hein, et se conduit très très bien. Voilà, ok. Là, en même temps, j'ai pas pris le bon chemin. Mais franchement, on va se mettre dans son envie d'intérieur pour ceux qui s'intéressent. Même si on est pratiquement arrivé. Ouais, j'ai dit pratiquement arrivé. Les marches arrière avec cette vue-là, c'est horrible. Hop là. Quoique, on peut rester comme ça. Je vais me mettre ici. Hop. On va ouvrir toutes les portières. Si la manette le veut. Hein, parce que je pense que vous entendez assez les bruits des touches. Je sais pas ce qu'il y a là à déconner à ce niveau-là. Alors. Non, la lampe torche, c'est ici. Chaque fois, je me trompe. Hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Allez. Ouais, ça va changer, ça va plutôt être cool. Hein. Je sens que celle-ci, ça va être plutôt très très cool ce qu'on va faire. On va faire quelque chose de plutôt sympa. Allez, on y va. Et si je rentre comme ça, est-ce qu'il y a un problème? Attendez, on va essayer de rentrer comme ça. Est-ce qu'il nous accepte comme ça? Ah bah oui. Là, je passe au niveau des portes, ouais. Il va nous faire payer combien, à votre avis? Allez, petite question du jour. À votre avis, combien va nous... Moi, je dis 300$. Ou bah non, 100. Mais je mets 100 parce que voilà, j'avais joué au con. Donc, allez, transformation, 490 000. Aïe, 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 ça fait mal. Mais on le fait. Waouh. Ok. Très sympa, là, déjà. Là c'est un vrai rouge. Tarté rouge-orange. Blindage. Comme d'hab, ça va, après c'est la routine, ça sert à rien. Oh, excusez-moi, ça sert à rien de se prendre la tête. Hop, pare-choc avant. Attendez. Ok. Oh, j'aime bien le dernier, celui-là. Je trouve plutôt sympa. Même si il est plutôt bas, je sens qu'on va se prendre tous les trottoirs avec ça, mais c'est pas grave. Ouais, on va laisser comme ça. Enfin, on va laisser avec la nouvelle. Le châssis. Anneau de sécurité. Attendez. Pourquoi il... Excusez-moi. C'est ma... Ça déconne un peu au niveau de... Ah, moi, je suis pas très fan de l'anneau de sécurité. Donc, on va laisser sans. Hop. Moteur. Bloc moteur. Ah, voilà. Voilà ce qui va nous intéresser. Ah, celui-ci me plaît bien. Même si... C'est dommage qu'à gauche, ça gâche un petit peu. On va prendre celui-ci. V8. Protection avec Moukif. Ça a l'air super. Filtre à air.
Voilà, après, en fait, ça se ressemble beaucoup. Hein. Pour celui-ci, je sais pas pourquoi. Mais, oh bah tiens, on va prendre le filtre à air chromé. Réglage du moteur. Bah, de toute façon, on prend le plus puissant. Échappement. Pour genre de voiture, je dirais. Non, pour genre de voiture, bizarrement, je préfère laisser comme ça. Ça, que ça sort par derrière et pas par les côtés. Explosif, on s'en fout, la calandre. Oh, attendez. Non, je vais dire. Oh non, celle-là, elle est belle, celle-là. Ouais, elle est belle. J'aime beaucoup. Capot. Alors, on va voir ce qu'il y a. Attendez. Excusez-moi, c'est mes touches de la manette qui sont horribles. Voilà. Entre les deux, bon, on va prendre plutôt celui-ci. Ouais, celui-ci, celui-ci. Allez. De toute façon, après, on pourra toujours modifier, hein, c'est pas un problème. Le klaxon. Ouais, on va mettre celui du camion. Pompe hydraulique. Alors, vous m'aviez expliqué, vous m'avez dit, Coty, en fait, plus tu prends les pompes puissantes, enfin, voilà, plus la voiture, elle va jumper haut. Donc, je vais prendre celle-ci, voilà. C'est ce que vous m'avez dit à ce niveau-là. Donc, je vais vous écouter. Habitacle. D'abord, je vais, comme d'habitude, faire la couleur, et ensuite, on ira faire l'habitacle. Je préfère faire d'abord les couleurs. Allez, pff, quelque chose de différent en même temps. Pourquoi faire quelque chose de différent alors qu'on peut faire quelque chose de très sympa? Attendez, est-ce que je peux utiliser ma souris? Voilà. C'est beaucoup plus simple avec une souris. Moi, ça va plus vite. Je peux choisir les couleurs que je veux. C'est. Non, pas de bleu. Le bleu, non, non, non. Le bleu, non. Un peu. Non, je vais. Ouais, pourquoi pas jaune? Ouais, un petit jaune comme ça, un petit jaune racing là. Voilà. Alors, jaune racing. Attendez. Couleur secondaire. Hop, couleur secondaire alors. On a dit métallisé là aussi. C'est ce qui va être juste devant. Ça sert à rien de prendre quelque chose de ouf. Ouais, ça sert pas à grand chose finalement, je trouve. Autant garder le jaune racing, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement mettre autre chose, c'est pas, ça va pas du tout. Hop là. Couleur finition. Alors, qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense que au niveau de la finition, il nous faudrait quelque chose de plutôt sombre à l'intérieur, parce que vu que l'extérieur est très 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 clair, ça serait bien de se faire un petit truc sombre. Oh, mais là c'est trop sombre, en fait t'as l'impression de rentrer dans un truc chelou. On va trouver une couleur, on va en trouver une. Oh bah au final, le blanc comme ça, je sais pas pourquoi il me pète les yeux et je kiffe, voilà. On va prendre le blanc. Emblème du crew, on n'en met pas. Voilà. Ah oui, si, en fait, ça fait plutôt bien finalement à l'intérieur. Ouais, non, ça fait plutôt bien. Allez, on est reparti pour tout ce qui est. Enfin, on a fait les pompes, habitacle, voilà. Alors, finition, s'il vous plaît. Aménagement intérieur. Ah! Ça peut donner des petites choses sympas. Pas forcément envie de mettre ouais mais je sais pas franchement ça peut paraître con peut-être que des personnes vont en vouloir mais là, j'ai envie de dire que l'aménagement de base il est très je sais pas ou peut-être ah non celui-ci j'aime bien aussi attendez on va prendre celui-là après on verra qu'est-ce que ça va donner couleur finition on a déjà choisi tout à l'heure décoration alors là je veux quelque chose de plutôt jaune please si vous avez quelque chose de jaune. Ouais, vous n'avez pas forcément, donc on va prendre. Voilà. Il y a un petit peu de jaune là-dedans. Le cadran. Alors on prend un qu'on a jamais pris. Ah, je crois qu'on n'a jamais pris celui-là. Crâne vaudou. Le volant. Oh, celui-là, il est classe. Très très classe. Levier de vitesse. Non, franchement, là, je veux pas de levier de vitesse, ça sert à rien.
Hop, allez, il n'y en a pas un qui est plutôt blanc. Ah voilà. Eastside, Sissi. Équipement multimédia. D'accord, je préfère cela, même si j'aurais préféré en avoir d'autres. Voilà. C'était le blanc. Ah non, c'était celui-ci, que c'était plus clair. Voilà. Là, on est bon. Au niveau de l'éclairage, les phares, bien entendu, xénon, on est d'accord. Kit, support néon, la totale. La couleur, on aimerait du jaune. Voilà. Motif. Ah, on va voir. Ouh, celui-ci est pas mal déjà. Hein. Bande royale. Oh, c'est dommage que c'est pas. Dommage que c'est pas assez. Que c'est pas assez. Enfin, qu'on les voit pas assez, les. Ouh là là, celle-là, pour l'instant. Alors en fait, celle-là, elle casse. Elle casse, donc elle fait quelque chose de ouf. On est d'accord. Mais. Celle. Non, au final, je préfère la bleue. C'est dommage que pour celle-ci, là, les couleurs sont pas assez foncées. Si on verrait un tout petit peu plus, je l'aurais pris avec grand plaisir, mais au final, le bleu et le jaune, en fait, ça casse tellement. Ça, c'est en accord, en fait. C'est en accord. Et celle-là, c'est vraiment pour tout casser, ou même celui-ci. Mais je trouve que le bleu, ça va tellement mieux. Allez, la plaque, de toute façon, on s'en fout un petit peu de ça. Moi, personnellement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Allez, on va prendre celui-ci. Ah bah tiens, si on peut avoir un truc. Voilà, parfait. Plaque d'immatriculation, j'en ai pas, je vais mettre ça. Peinture, c'est fait. Aileron. Oui, bah, un petit aileron, dommage qu'on peut en avoir un tout petit peu plus grand. Transmission, la totale, s'il vous plaît. Le coffre. Oh oui, attendez. Y a pas. Ah là, zoomer, c'est ça là, d'accord. Non, non, on va prendre celui-ci. Boum, boum, boum. Boum, boum. Turbo, bien entendu. Roue. Alors, type de roue. On va prendre exclusive création. Mais comme je dis ça au niveau des roues, vous me connaissez, hein. Je suis. Ouais. Il n'y a pas des petits exclus peut-être qui pourraient être sympas. Non. Ah oh, si, ça j'aime bien ça. Ah, c'est des deux roues que j'aime bien. Allez. Autant se faire plaisir, hein, c'est couleur. Ça serait possible d'avoir du bleu, peut-être. Ça pourrait être sympa d'avoir le bleu pour aller avec la caisse. Que jaune, il y a trop de jaune. Bleu, ça serait nickel. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Franchement, j'aime pas mal là. Voilà, là, j'aime vraiment pas mal. Ça fait peut-être un peu trop bleu. Du coup, il faut peut-être du blanc. Le blanc comme ça, ouais. Sympa. Amélioration des pneus, oui. À l'épreuve des balles, s'il vous plaît. Fumée des pneus. On va prendre du jaune, bien entendu. On aurait pu prendre du jaune ou du bleu. Mais le jaune, c'est plus sympa. Fenêtre. Comme je dis, pour ce genre-là, je préfère me voir dedans, personnellement. Et voilà, on a fini notre superbe voiture. Je trouve qu'elle est vraiment très, très, très. Je crois qu'il y a devant, là, d'accord? Il y a un truc qui rôde. Ouais, pourquoi pas. Allez, on est parti. Oh là là. La voiture, elle est sublime. Vraiment. Voilà, en plus, objectif rempli. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Merde. N'hésitez pas à me le dire. Moi, personnellement. Mais je crois qu'elle doit vraiment beaucoup plus en jeter la nuit. La nuit, elle va être vraiment. Voilà, j'aime beaucoup. Après là, peut-être que je vais peut-être au niveau des pots, peut-être les mettre sur le côté du coup. Lester, ta gueule, s'il te plaît. Non, franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Allez. On va faire un petit tour avec. Oh, l'intérieur en plus. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, je suis très satisfait de mon véhicule là. Allez. On va piloter un petit peu avec. Voilà. Par contre, elle a un petit peu du mal. Voilà. Allez! Alors attendez, on n'a pas vérifié. Ah, bien sûr.
Allez, ouh! Attention, ouh! Ouh! Oh, putain, on peut même jumper On avait l'impression qu'à monter les deux roues, enfin, que les quatre roues étaient en l'air, quoi. Waouh! Allez! Mais je bourrine mon stick! Attention! Attention, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, je sais plus, ouh! En tout cas, la conduite est vraiment très sympa. Oui, je la laisse comme ça, en tout cas, faire. Attention! Oh oui! Oh putain! Ah, c'était pas mal ça. C'était pas forcément prévu de faire comme ça, mais ouais, pourquoi pas. Allez, 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 vite! Attention, monsieur! Alors, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, le véhicule, très très sympa. Après, est-ce qu'il vaut son prix? Est-ce qu'on va l'utiliser au fur et à mesure du temps, je ne sais pas, mais moi là tout de suite j'aime bien. Et des fois j'aime bien sortir mes véhicules lowrider et me balader un petit peu avec et essayer de tenter de faire des cascades avec la pompe. Malheureusement, ça se passe pas souvent très très bien. Allez, on va tenter de faire un petit truc. Attention, mademoiselle, attention! C'était pas mal, ça. Il était pas. Ouh, d'accord, on a tout perdu. Alors, on va tenter de refaire. Le saut de l'autre côté. Pardon. Ah, excusez-moi, je vous ai pas vu. Franchement. Franchement, je ne vous avais pas vu. Allez. On peut le faire. Si personne ne passe. Attention. Yahoo! Ouais, là, par contre, ça prend très très cher. Bon, eh bien voilà, franchement, bah, mon avis, pour être totalement franc, je trouve le véhicule plutôt très sympathique. Après, je pense que pour les cascades, pour ceux qui aiment bien faire des stunts ou autre, bah, ça peut être plutôt sympa pour tenter ou pour faire je sais pas quoi. Ça peut être plutôt sympa, je trouve très très joli. Le jaune et le bleu, j'avais jamais vraiment fait cette. D'accord, merci beaucoup. J'avais jamais vraiment fait ce type de véhicule. Je trouve ça plutôt pas mal, ça en jette et bah, c'est classe en même temps. Vous me direz ça en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des nouveaux véhicules qui vont arriver, parce que je sais pas si c'est le dernier des lowriders, si la prochaine fois ce sera une vraie mise à jour, etc. Je compte sur vous à ce niveau-là. Vous pouvez laisser un petit like si ça vous a plu, j'espère que c'est le cas. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!